Qui moun ki gon dollar ta ke pou gen $500 la kanpe? Non, la marche de $500 ça. Qui moun ki gen $500 ta ke pou gen $1000 la kanpe? Il va jan kanpe, la marche de $1000. Amen. Lorsque gen $1000, la marche de $10,000. Amen. Qui veut dire que li pa jan kan, li pa jan kanpe. Amen. Il a séché. Amen. Mais les choses matérielles a enrichi. Mais la parole bon Dieu douke, comment t'es venu? A qui sont t'es venu? Jésus. À qui sont t'es venu? Oh yeah. Toute richesse de la terre, toute baisse, il n'y a pas, il y a passé tous les biens de la terre, il n'y a pas, il y a passé toute baisse qui est éphémère. Amen. Tout a passé. Mais nous-mêmes, nous toujours à chercher la richesse. Mais richesse pour nous à chercher tout le monde, c'est richesse pour nous. Non, non. Amen. Nous cherchons richesse pour nous faire croire à bien. Mais nous ne cherchons pas richesse pour faire nos plaisir. Amen. Et la parole, bon Dieu, ça t'a coûté pour t'a gagné toute la terre. Et on t'a perdu, non, mon. Mes amis. Si j'ai toute la terre, on veut gagner. Bon Dieu, il faut gagner toute la terre. Mon qui pour une richesse là, il va bien tuer tête pour une richesse là. Richesse là, d'autres vini. Vous pensez que le travail n'a pas une richesse, non? Ça qui est pour riche là, la riche. Ça qui est pour gagner l'argent, la gagner l'argent. David te gen l'argent, Salomon te gen pile l'argent, yo te gen pile richesse, mais yo t'a servi bon, yo t'a servi bon Dieu. Amen. Mais nous même richesse que nous avons cherché, li empêche nous servi bon Dieu. Amen. Mais richesse que les hommes ont cherché. Ti machine ça, il va qu'elle travaille avec encore son Bogota, il a son belle machine. Si Kaïsa a un des plus belles Kaï toujours, la cherche tout effort soit qui quitte ça, mais pour la son plus belle Kaï toujours. Vous comprenez? Tout le monde a empêché nous servir bon, servir bon Dieu. Mais quand on a bon Dieu frappé pour là, il doit qui sont venus. Ils sont pour tourner. Ou pour dans un tourner. J'en ai venu à consommer pour aller. Pour avoir richesse côté gain sur la terre là, il y a maintenant, bon, je flamme le feu et je flamme mon sec et tout blanche. Yes. Tout blanche. Ou même peut-être qu'il y a fait un effort, il y a son sec pour $1000 pour enterrer. Mais après ça, toute richesse qu'on a fait là, tout le monde est là. Amen. Même si on t'a dit que dans un billion, dans un million, dans un billion, dans un million, il y a mis ton bail dans ce cas-là, qu'on a son chèque blanc qui t'a mis dans ce cas-là. Amen. Il y a la provision là-dedans. C'est vrai. Et même si on t'a écrit, chèque ça, bon, allez, chèque ça, papa, dans ce cas-là, parce que lorsqu'on finit, on n'a pas de volonté encore. Amen. Les gens ferment, qui volonté encore? Hein? Même si vous avez fait oui, vous avez dit, oh, si dans mon travail, dit, cher ça, c'est pour l'aller dans 5 ans. Même si vous avez écrit, cher ça, combien de millions, cher ça, papa, en bataille, vous parlez seulement. Pas de personne qui parle avec vous. Vous parlez pour quoi? Amen. Yep. Ou même fait soif, vous avez une richesse qu'on a cherché, ou pas parler avec lui. Parce que la parole de bon Dieu, c'est oui, c'est amen. Vous avez venu sans rien, et vous avez gagné, vous avez tourné. Problème. Cherchez richesse. Ou pas arrêter pour venir à l'église, ou pas arrêter pour venir dans le service, ou pas arrêter pour venir dans le Bible study, ou pas arrêter pour venir dans son discours, ou pas arrêter pour venir tendre la parole. Nous ne savons pas chercher ça pour nuit, quoi. Et bon Dieu dit quoi, c'est poussière, on va retourner dans la poussière. Mais pas jamais gagner un nous, qui soit intelligent, qui dit, je fais tout effort ça, je ne vais pas en rien, puis c'est lié pour quoi. Qui te cherche pour nous, plutôt non. Si quantité de l'al très minime. Li très minime. Li pas en pile. Son dit toi. Mais quand on a la parole, bon Dieu fait nous connaître, on vole des faces. Cherchez pour nous sauver, non, nous entendez. Tout ça, on cherche pour nous enrichir quoi. Li pas pour nous pour nous. La bonne de quoi manger, de quoi vivre sous terre. C'est ça seulement. La Bible déjà dit nous. Si vous avez de quoi pour manger, de quoi pour boire, de quoi pour habiller, qui sont besoin encore. Mais nous toujours aller au-delà, pour cher là. Il doit mettre nous à l'exigence. Amen, oui. C'est job lui. Pour mettre nous à l'exigence, pour nous oublier, pour nous chercher pour nous. Mais l'église chaque jour a dit nous, chercher pour nous, faire provision pour nous. L'église a dit nous ça chaque jour. Mais nous toujours à faire la soudorer. Nous toujours soudre dans la partie ça. Tout le temps nous avons cherché pourquoi, nous avons cherché pourquoi. Tout le temps que nous avons baillé quoi, nous avons baillé quoi. Tout le temps nous avons servi quoi, nous avons servi quoi. Quoi mettez-nous à l'exigence. Et
débarrassez-moi contre ce corps mortel. Hélas. La Bible fait nous connaître aujourd'hui. Jean nous est venu. Comme ça, nous avons tout. Pour nous tuer tête, pour nous faire provision. Pourquoi? On nous fait provision pour nous amener tout en même temps. Pendant que nous travaillons, il ne parle pas de travail pourquoi? Non, parce qu'il nous fait avec la sueur de ton front pour gagner ton pain. Mais pendant ce temps, on va faire provision pour quoi? Faire provision pour nous amener tout. Gloire à Dieu. Faire provision pour? Pour nous amener tout. Parce que si vous ne faites pas provision pour nous, non. Vous pouvez payer ça très cher. Vous ne pouvez pas dire sous tes connais, non? Par contre, dans la parole, chaque jour. Vous ne pouvez pas avoir une chance pour dire sous tes connais. Mais je vous dis, on sait pas que je dis non. Vous ne devinez rien. Vous ne pouvez pas gagner rien, vous pouvez aller. Un seul bagage. Si vous avez de quoi de manger, de quoi d'habiller, pour mon bout de travail. Pendant ce temps, on fait provision pour quoi? Parce qu'il a besoin de tout. Mais faire provision pour nous amener tout. Un jour, pas pour les grèves. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Jésus.